ce ticket rose est le précieux sésame obtenu par 500 Creusois aujourd'hui. Après avoir patienté pour certains plusieurs heures dans le froid ce matin, ils ont pu revenir à l'horaire indiqué sur le bon pour se faire vacciner. Je suis venu ce matin pour prendre rendez-vous. Je suis revenu à Guéret et je suis revenu pour le vaccin dès maintenant. Mais tout va très bien, c'est indolore et je suis content que ça soit fait. 500 doses du vaccin Pfizer ont été administrées aux Creusois de plus de 70 ans et de plus de 50 ans présentant des risques de comorbidité. Jusqu'à 19h, 3 médecins et 6 infirmières ont pris en charge les patients. L'organisation fait que c'est assez fluide. Ça permet justement tranquillement d'accueillir les personnes, les patients. C'est bien aussi pour la tranquillité que ça ne se passe pas en précipitation, que les patients soient aussi rassurés quelque part. Ils prennent le temps aussi au niveau des infirmières, elles prennent leur temps de leur parler, etc. Et ça, c'est très important. Alors que le taux d'incidence en Creuse est le plus bas de France, le département tient à accélérer la cadence de vaccination. Parce que le taux d'incidence est actuellement assez faible et parce que le variant anglais prend de plus en plus d'ampleur sur notre département, il nous faut permettre à notre population d'être protégée. Aujourd'hui, le taux de vaccination de la population dans la Creuse est de près de 16%. Ce mardi, un super centre de vaccination avec rendez-vous ouvre ses portes à Guéret. Objectif : doubler le nombre d'injections quotidiennes.